On peut être debout. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole du Seigneur. Prenons nos Bibles. Jeanne, tu peux être debout, s'il te plaît. Tu chantes, qu'est-ce que tu fais ici? Pardon? Tu fais rien? Ok. Gloire à Dieu. En esprit un moment. Prie seulement là où tu es. Prie juste là où tu es. Il y a une mouvance de l'esprit derrière là-bas. Laissez la personne qui parle en langue parler en langue. Nous prions un Dieu vivant. Prie là où tu es. Prie. Nous allons écouter la parole, mais prie là où tu es. Nous prions un Dieu vivant. Notre Jésus est vivant. Notre Jésus change de vie. Il transforme de destinée. Alors que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Que tu parles à Dieu. Malade, Dieu te libère d'une maladie. Quel que soit le fardeau que tu as porté, Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te libérer. Je disais, Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te libérer. Lève les mains si tu peux, je sais que tu as une Bible entre les mains. Mais lève les mains. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est réel. Merci Seigneur. Pendant que je passe ici, le Seigneur priait pour contre l'esprit de mort dans la vie d'un enfant. Si cet enfant n'était pas venu ici avant 16h, il allait mourir. Cet enfant, s'il ne venait pas ici avant 16h, il n'allait plus être ici. Mais parce qu'il est arrivé ici. Maman, je te parle comme prophète. Cet enfant est malade. Moi, Azobela. C'est un mois. Azobela. Fièvre sur fièvre sur fièvre. Kosanza. A outi hôpital. Azobela makas. Baloti kutu bandote bele ke mwana kufi. Mais parce que aye awa. Amen. Onzambe to sambela. Onzambe. Madame, vous allez bien? Ça va aller? Va un peu vers elle. Oui? Quand je vous vois, quand des gens vous appellent, mais c'est comme dans un passé. On vous appelle CD. Je suis chef de division là où je travaille. Professeur. Yes. CD. Oui, CD. On vous appelle CD. CD. Là, vous travaillez. Et ça, ouais. C'est depuis combien de temps que vous êtes là? Une vingtaine d'années. Donc, c'est depuis longtemps. Kala.
vous appelle chef de division. Dieu me dit, on vous a combattu là où vous travaillez. Mais parce que vous êtes venu ici, yes. La saison de l'élévation est venue. Amen. Votre salaire ne matche pas avec votre poste. Yes. N'est-ce pas? Dieu me dit, on va doubler votre salaire. Connecte-toi, je dis, on va doubler votre salaire. Quand je vois un jeune garçon. Et la main de Dieu va sur lui comme elle est sur ce jeune homme. Des sorciers réunis. Et on est en train de réclamer la vie de ce garçon. J'entends Tony. Tony Ambelou. C'est lui. C'est lui. Viens. Yaka. Nous servons un Dieu des esprits de prophètes. C'est toi, Tony. C'est Tony. Tony Ambelou. Ok. Tony Ambelou. Le même combat que ce petit garçon a, c'est le même qu'il a. Et tout le monde a zalé l'engue et pas yango. Dieu me dit, ce garçon est votre cœur. Beaucoup d'espoir ont été mis sur lui. Et l'ike belé et tiamali. Le monde des ténèbres s'acharne pour le prendre. Mais j'ai en face de moi un serviteur de Dieu. Nazali bosona ngai mosai nazam. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui ira loin dans les études et qui va réussir. Nazali bosona motomo ke limosika na kotenga mingi. Professeur et papa. Avance, prophète. Il y a un nom qui réclame votre vie. Et ça, la combo moko, oh, c'est la combo moina bino. Kambombo. Kambombo. C'est le nom de mon papa. Le nom de ton papa qui n'est plus. Comment t'attends à Zate? Il n'est plus. Ton papa s'appelait Kambombo Serge. Oui, Serge Bernard. Professeur et papa. Dieu me dit, il y a une réclamation sur le nom de Kambombo. Mais alors que je parle, si je suis prophète, l'influence de ce nom sur ta vie tombe. Il ne va pas mourir comme ton père était parti. Oui. Je ne vois pas que vous avez eu beaucoup d'enfants. Trois seulement. Trois. Mais alors que je parle, mon esprit est en train de voir quelque chose. Avance, prophète. Je parle, je vois un homme attaché à vous. Je le vois. Baudouin. C'est mon frère. Il est médecin. En Afrique du Sud. Il est médecin en Afrique du Sud. Can I, professeur? Professeur, papa. C'est Baudouin comment? Kabombo. Le même combat de ton papa là. Et tu m'as montré pas en train de le suivre là-bas en Afrique. Et ça en est qu'on a fait qu'angélé. Mais toi tu es le point de contact. Yo zali tolo ba beaucoup ta. Dieu libère Tony. Yes. Dieu libère Baudouin. Yes. Et Dieu propulse ton travail. Amen. Et pendant que je prie, cet enfant reçoit la guérison. Yes. L'enfant, la ligne que j'avais mise à 16h est en train de sauter. Yes. Ton enfant va vivre. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La mort n'est plus devant toi. Amen. Ceux qui voulaient ta mort vont mourir avant toi. Amen. Ceux qui ont creusé des fosses vont tomber avant toi. Yes. Comment cette femme peut venir et je peux connaître son père, son frère, et même son fils qui est. Professeur et papa. Nous prions un Dieu qui parle. Yes. Amen. Lève les mains. Je vais le oindre d'huile. Donne-moi de l'huile. Tu sais, dans la fin de l'année, des fois, certains programmes de faire des deuils, mais des gens qui sont morts de manière surnaturelle. Cet enfant. Papa Henri est là. Papa Henri est là. Il n'est pas encore là. Ok, je suis en train de voir quelque chose pour son frère. Si tu savais ce que je vois dans mon esprit, yes. J'allais dire amen plus que ça. Amen. Aïe. Nous enlevons la mort. Amen. Sur cet enfant. Yes. Dans le nom de Jésus.
Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, nasuka molanga na opesa quelque chose. À la fin de ma cœur n'a pesa quelque chose. Dieu m'a mis à cœur de donner quelque chose pour cet enfant. Amen. Moi nous a bien. Cet enfant est en bonne santé. Est-ce que ça mona na yo? Est-ce que c'est ton enfant? Abel Makas, quand c'est moi là. C'est quand c'est moi qui souffre. Quand c'est moi, vous allez pas les bénir. 4. Banane sur papa moko. Tous ces enfants avec un même père. Merci, na comprendre. Bibale bazana papa mususu, bibale bazana papa. Deux un père, l'autre deux autres un autre. Ya on a tourné. C'est pourquoi je posais la question. Pour na moni. Parce que j'ai vu. Que bazam nion sur papa moko. Parce qu'ils ne sont pas tous des mêmes pères. Mais côté à famille à papa na yé. Mais du côté de la famille de son père. Il y a beaucoup de combats. Et tu le sais. Parce que tu es là, tu es seul. Tu es seul. Tu as quelqu'un, on dirait que tu es seul. Tu es avec lui, mais on dirait que tu es seul. Parce que Dieu me montre qu'il y a un mari de nuit là. Mais il est parti. Yes. Amen. Yes. Tu resteras dans ton mariage avec tous tes enfants. Et tu vas prospérer dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour ton serviteur Tony. Il va aller loin dans les études. Il est hors de Kinshasa. Il étudiera hors de Kinshasa. Il va parler anglais couramment, français couramment, et évoluer. Le diable qui l'attaquait n'a aucun pouvoir sur lui. Alors que je le touche, je déclare Tony libre de toute influence du diable. Il est protégé et gardé. Je prie pour Baudouin, Kabombo, Kabombo, le frère de ta servante, Neko, Yamobali, Yandeko, moi, là où il est, que tu le visites. Je vois qu'il a un projet de revenir à Kinshasa, mais toujours dans le cadre du domaine de la médecine, comme de tourner en rond. Mais Dieu me ici va ouvrir beaucoup de choses. Tu es béni. Ton travail est béni. Et parce que j'ai parlé de la part de Dieu, à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. On reçoit cela pour toi aussi. Je lui reçois cela pour toi aussi. Je reçois. Vous allez bien? Vous vivez à Kinshasa? Pour l'instant. Avant ici, vous étiez à Kinshasa. Kinshasa. Ok. Yo. Vous voulez repartir ailleurs? Olingo kenesu libanda. Ça dépend. Ok. C'est pourquoi j'ai posé ces questions. Oui, c'est naturel, mon tournoi. Parce qu'effectivement, vous êtes entre plusieurs pays. Oui, t'es solo aux anaga dans beaucoup de. Mais il y a beaucoup d'argent qui vient. Ils ont mis sur le bélé zoya. Il y a eu quelque chose qui avait beaucoup d'argent dedans, mais que vous n'avez pas saisi, qui est passé devant vous. Ils ont un logo, ils ont mis sur le bélé. Il n'y a pas longtemps. Cette opportunité revient. Liba comme la monnaie zongi les sous. Et vous allez toucher cet argent. Amen. Solo yango. Vous avez un bon cœur. Vous avez monté en malam. Le cœur que votre mère avait. Monté maman nozaki na. Votre mère est là. Maman nozana. Elle est là. Elle a un bon cœur, maman. Très bon. Et c'est ce que vous avez hérité d'elle. Dieu me dit, vous allez construire beaucoup d'écoles. Des orphelinats. Yes. Et plus vous allez faire du bien aux désavantagés de la société, Dieu vous bénira. Amen. Le bon cœur de votre maman a commencé depuis qu'elle était jeune. Elle avait ce cœur depuis qu'elle était toute jeune. Et c'est ce cœur que vous avez. 2020. C'est une année de récolte. Pour vous. Ainsi a parlé l'Éternel de reçois cela. Je lui reçois cela. Je reçois. Je t'entends pas. Je lui reçois cela. Je reçois. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Comment est-ce que tu as l'esprit de mort qu'il y a dans la ville, nous chassons ça de Kinshasa. Amen. Cet esprit de mort qui est dans la ville de Kinshasa, nous arrêtons cela. Amen. Je dis nous arrêtons cela. Amen. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit que Kinshasa est protégé par Dieu peut dire Amen très fort. Amen. J'ai vu des choses, mais je ne dirai pas. Mais je crois que Dieu protège la ville. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole? Prenez avec moi, s'il vous plaît, la parole de Dieu. Nous lisons quelques textes. Merci Saint-Esprit. Samuel chapitre 17 verset 54. Samuel 17 verset 54, je lis au nom de Jésus. Amen. David prit la tête du Philistin et le porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. David prit la tête du Philistin et l'emmena où? À Jérusalem. Où? À Jérusalem. À Jérusalem. Jérusalem. Matthieu chapitre 24. Verset 34 à 39. Merci Saint-Esprit. Matthieu 24, 34 à 39, j'ai lu au nom de Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Daniel chapitre 2. Donc on a Daniel à Mibale. Versets 26 à 34. J'aimerais que tu puisses savourer ce verset. Lorsqu'on va le lire ou tu vas le lire dans ta Bible, savoure. Que la lecture de la Bible ne soit pas ennuyante pour toi. Savoure la lecture. Savoure la parole de Dieu. Daniel 2, 26 à 34. Daniel 2, 26 à 34, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Yes. La tête de cette statue était d'or pur. La tête était d'or pur. Quel métal? Or pur. La tête était en or pur. Deux. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Étaient d'argent. D'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Le ventre et les cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ses jambes en partie de fer et en partie d'argile. Dis avec moi en partie de fer. En partie de fer. Et en partie d'argile. Et en partie d'argile. J'aimerais t'entendre mieux que ça. Dis en partie de fer. En partie de fer. Et en partie d'argile. Et en partie d'argile. En un autre français, on peut dire. Moitié fer, moitié argile. On peut encore dire.
ni fer, ni argile, on peut encore dire. Pardon, de fer et d'argile, ou bien d'un côté de fer et d'un autre d'argile. Terminons maintenant dans Genèse chapitre 6. Je t'assure que ta vie sera bouleversée ce matin. Tu es prêt pour la parole? On va aller rapidement, allons-y. Genèse 6, versets 1 à 22. Genèse 6, 1 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Continue. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre devant dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils. Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. 15e verset. L'Itangaboni. 15. Ok, dites Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous mettre s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On peut faire mieux que ça pour la parole du Seigneur. Alors, je commence mon message avec des excuses que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je clôture une série que j'ai commencée, ça fait trois dimanches. Et à vrai dire, le sujet est un sujet sensible et qui demande évidemment beaucoup de temps pour y aller de manière systématique. J'ai commencé le premier dimanche. Le dimanche dernier, on a eu autre chose. Aujourd'hui, je ne crains de ne pas avoir le temps de développer et de clôturer. Donc j'ai une dette envers vous. Je tiendrai un séminaire. Comme ça, j'explique pas à pas le sujet. Et aujourd'hui même, je ne sais pas développer le sujet. Je parlais du sang, je parlais de l'ADN, de beaucoup de choses. Et je vais rester sur ça. Mais je ne parlerai pas forcément de ce qui était prévu dans la série. On aura vraiment le temps de le faire systématiquement. Le but, c'est une meilleure compréhension. Est-ce que vous me l'accordez? Alors ce matin, je parle d'un sujet très très complexe qui sera un mélange de science, de Bible, de beaucoup de choses et d'eschatologie.
vraiment votre concentration afin de ne rien rater. Amen. Amen. Et ce que je vais dire est d'une très grande importance. Je parle ce matin sur le sous-thème comme cela fut au temps de Noé. Dis à ton voisin comme cela fut au temps de Noé. S'il te plaît, regarde ton voisin de gauche et de droite. Pourquoi pas de devant et de derrière. Et dis à ton voisin comme cela fut au temps de Noé. Alors, je vous ai parlé le premier dimanche que nous sommes dans une époque où il y a un grand boom de technologie dans le domaine de la génétique. Il y a de cela quelques temps, vous avez appris qu'au Gabon, il y a eu l'arrivée de Samuel Jackson. Qui a tourné plusieurs films. Il est même l'une des grandes stars des films de Marvel. Avec son œil borne. Il est arrivé au Gabon, pourquoi? Parce que par les tests ADN, il a vu que ses origines sont tirées au Gabon. À l'instar de lui, il y a Oprah Winfrey qui a vu que ses origines sont au niveau de la Guinée. Bishop Jex a vu ses origines au Nigeria. Creflo Dollar a vu ses origines en RDC. La plupart de ces grandes stars sont en train de vouloir, à cause de leur aspect afro-américain, de vouloir connaître les origines de leur lignée. Et même encore, j'ai vu un documentaire dans lequel l'homme est allé plus loin que ça. C'est-à-dire, on a vu dans les gènes, dans l'ADN, non seulement d'où est-ce que, de quel pays l'homme est venu, mais on a vu dans les ADN de tous les êtres humains, on a pris une bonne portion pour maintenant découvrir l'homme qui était le premier homme qui a ouvert la lignée de tous les humains sur la terre. Autrefois, c'était difficile. Lorsqu'on a engrossé une personne de votre famille, à part la morphologie qui permettait de détecter si c'était son fils ou pas, c'était difficile. Aujourd'hui, avec les tests ADN, on peut savoir qui est le père. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Nous sommes là. Nous venons à l'église. Et nous subissons ce qui arrive. Le bishop David Oedepo a dit quelque chose que j'aime. Il a dit dans ce monde, 75% des choses qui arrivent, soit 75 personnes des hommes sur la terre, ils voient les choses arriver. 15% des hommes sur la terre savent que quelque chose est arrivé. Et 5% des hommes sur la terre font que les choses puissent arriver. Je me répète, 5% des hommes sur la terre font que le monde soit, que les choses arrivent. 15% ont vu que c'est arrivé. 75% ne savent même pas que c'est arrivé. Mais ma prière est que l'église de Jésus-Christ ne puisse pas subir ce que le monde fait, mais que l'église soit au courant de ce qui se passe dans le monde de la technologie, de la médecine et de tous ces domaines-là. Il y a de grandes avancées qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a de cela à peine 10 ans. Et ça n'a aucune liboso autre que qu'alzate bambula zomi eleki. Et pour ceux qui ne le savent pas, le grand géant d'internet qui s'appelle Google, au niveau de la Silicon Valley,
na Silicon Valley a mis de côté à peu près 40 000 médecins. Atiaki pembeni 40 000 yama minganga. Une équipe de médecins et de scientifiques pour travailler pour na kosala mosala. Et ils travaillent d'arrache-pied tous les jours. Google a mis plus de milliards et des milliards de dollars. Google a tiré des milliards et des milliards de dollars pour vaincre la mort. Afin que l'homme vive entre 300 ans et 500 ans. Et ils travaillent cela comment? Parce que si vous remarquez bien, le monde d'aujourd'hui, le plus grand défi, c'est la santé. L'industrie de la chirurgie a augmenté au fur et à mesure que le temps avance parce que les gens ne veulent plus vieillir. Il y a des maladies comme le cancer et d'autres qui prennent la plupart de ceux de l'Europe. Alors, pas au niveau de la médecine et de la technologie. Google a pour rêve de vaincre la mort, donc que l'homme vive longtemps. 300 à 500 ans. Et c'est les choses qui se passent aujourd'hui. Et ça, biloko iso le kalelo. Qu'est-ce qu'on fait? On peut te prendre et te donner d'autres organes. Des organes artificiels. On peut parler moins de la nanotechnologie. Non, on a des cartes SIM. On a les cartes SIM micro et on a nano. Nano, c'est encore plus petit. De la nanotechnologie, introduire en toi des substances qui vont commencer à tuer des maladies avant même qu'elles ne se prononcent. Qui vont régénérer la santé. On peut, au niveau de ceux qui manquent des membres, mixer à leur santé des robots. On peut infiltrer des substances dans votre cerveau pour vous rendre beaucoup plus performant. L'armée américaine travaille déjà dessus pour travailler des super robots. Mais on dirait que les blancs sont des prophètes. Parce que quand on grandissait, la semaine passée, les cinémas ont explosé avec le film Terminator. Cinéma est Panzanaki na film Terminator. Ce qu'il disait, I will be back, ok? Andako la will be back. Wana lobi kintando. I will be back. Will be back. Je reviendrai, ok? Yo. Il a dit qu'il allait revenir. Abaki ya kozonga. Et ils sont revenus vraiment avec ça. Azongi pesel ona yango. Et c'est simplement. Eza petenyo so. D'un homme. Motomo. Cyborg. Il y a d'un homme qui peut devenir un liquide métallique et devenir un humain. Et ce sont des choses depuis les années 80. Où l'homme est en train de prévoir ce qu'on appelle l'homme augmenté. Plus intelligent, plus fort, plus performant, vivant plus longtemps. Dites amen. Amen. Vous avez des films comme Robocop. Tous les films le quoi Robocop. Des films comme Lucy. Bon, du moins ceux qui suivent le film. Le baba oyo balandaga. Des films comme Captain America. Bah Billing le quoi Captain America. Surtout le film Civil War avec le soldat d'hiver. Le film des X-Men. Billing ya X-Men. Wolverine. Le monstre de Frankenstein. Le film Alita. Amen. Iron Man. Le film Cyborg. Terminator. Star Wars. Matrix. Power Ranger. Hitman. Fast and Furious. Le tout dernier. Vous allez voir ce noir là. Il défie ces deux hommes. Parce que c'est un homme augmenté. Au bord de la mort, on l'a augmenté technologiquement. Ce n'est plus des choses futuristes, ça se passe aujourd'hui. Le film Transcendance, Dracula, Jupiter Ascending, et ainsi de suite. Tous ces films-là sont des films financés par,
par un groupe de personnes qu'on appelle les transhumanistes. Et c'est tout le coup à filmer, on va dire que On croit en un idéal qu'on appelle le transhumanisme. C'est quoi le transhumanisme? C'est un mouvement culturel et intellectuel international qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment les capacités physiques mentales. Ils combattent les handicaps, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie de manière indésirable. Et croyez-moi, ce sont les choses qui se font aujourd'hui. Quand tu vois un être humain venir à l'église mais avoir du fer dans son corps, à la place des os, crois-moi, les choses ont commencé. Quand tu vois quelqu'un avoir un cœur qui est un cœur artificiel, crois-moi que ces choses arrivent. Quand l'homme n'arrive plus à écouter et qu'on doit lui fixer des implants à l'intérieur, certains même n'arrivent pas à sortir la foi. On fait des opérations. Lorsqu'il parle, la foi peut sortir. Les lentilles qu'on utilise à la place des lunettes pour que l'homme voie mieux. Alors les milliardaires se battent pour que l'homme ne soit plus victime. Et surtout, regardez l'intelligence artificielle. J'ai téléchargé une vidéo hier. En Arizona, aux États-Unis, c'est déjà fait. Un robot peut être indépendant de l'homme et décider comme il veut. Il y a même une femme intelligence artificielle. Elle était même à Rwanda, je pense. Très connue dans le monde. Oui, a fait même des vidéos avec elle. Où un robot peut penser, un robot peut parler, peut désirer de manière indépendante de la personne qui l'a programmé. Dis à ton voisin, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Je t'entends pas. Dis à ton voisin, nous sommes au temps de la fin. Et ceux qui ne savent pas, c'est le même mensonge du jardin d'Éden que le serpent a présenté à l'homme. Le Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez être comme lui. Et nous sommes arrivés à l'époque où l'homme, à cause de l'argent, du pouvoir économique, du pouvoir médiatique, du pouvoir militaire et du pouvoir scientifique, il veut être au niveau où il est en parallèle avec Dieu. Et aujourd'hui, faire marcher un paralytique n'est plus qu'une affaire d'église. Avec des opérations spécialisées, certains paralytiques peuvent marcher, certains aveugles peuvent voir, certains sourds peuvent entendre, certains stériles peuvent porter les enfants qui ressemblent à leur mari et à eux-mêmes. Pas la médecine. Nous revenons à l'époque de la tour de Babel. Les hommes se mettent ensemble. Ils sont en train de monter pour être au niveau de Dieu. Mais à chaque fois que l'homme a cru qu'il était capable, en se mettant ensemble avec les autres, en ayant une même vision, Dieu s'est arrangé de descendre et de les confondre. Voilà pourquoi je parle au pasteur. Il y a des miracles qu'on doit arrêter à l'église. Il y a des choses que la clinique peut faire. Il y a des choses qu'une opération peut faire. Le temps est arrivé où l'église doit faire des miracles. Où le surnaturel doit être à un niveau. Même le féticheur dit, je n'ai jamais vu ça. Il y a une femme qui a consulté une voyante en France. Elle dit, prophète, j'ai parlé à ma voyante. Elle a vu comme ci, comme ça. Mais quand j'ai vu tes vidéos, j'ai dit, comment un Congolais peut aller décrire une maison en France? L'avenue, le numéro, les maisons aux alentours. Je viens consulter le voyant que tu es. Les temps sont arrivés. Tu dois avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ne le servent pas. Amen.
des fois l'argent est perdu à la maison. À la maison des chrétiens. Qui a volé? Qui a volé? Qui a volé? Et la maman dit. Maman dit à connaître. Hein? Il faut qu'on aille chez les féticheurs. Et c'est un truc qui est pas que la personne révèle qui a volé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prophète à l'église. Dans Genèse 18. Ils étaient à deux. Ils ont mangé chez Abraham. Donc ils avaient des organes. Une bouche. Un appareil respiratoire. Ils ont mangé les camoundélés. Ils ont bu le yaourt. Deux sont allés à Sodome. Et même là. Atawana. Les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient les connaître sexuellement. Parce qu'ils avaient des corps. Un ange sur la terre peut avoir le corps d'un humain. Exercer l'hospitalité. Parce que vous ne savez pas que plusieurs en faisant ainsi ont reçu des anges, dit la Bible. Oui. Yo. Un être spirituel qui n'est né ni d'un homme ni d'une femme peut porter le corps et habiter sous la terre. Est-ce que je peux vous choquer un peu? Le monde dans lequel on est un monde mystique. Un jour, un garçon est venu au bureau. Il m'a parlé. Il a fini. J'ai dit, qui es-tu? Il a souri. J'ai dit, qui es-tu? Il a souri. Il m'a béni. On a prié. Et il est parti. C'était un ange. Ezaki angelo. Une fois, je suis à Brazza. Je prie à Brazza. J'avais une décision importante de ma vie que je devais prendre. Je dors. Et je rêve. Un homme habillé en blanc. Avec un cerceau. Je sais pas ce que les hommes portent des fois. Genre les cerceaux. Aussi au niveau du bras. Oh, bah, tu vas tchaka na le biceps. Na biceps. Des. Cernini. C'est bras. Anyway, c'est bras. On te l'accorde. C'est bras. Ok. Tu peux sûr. Et je dors, je vois un homme comme ça. Na la il a moni motomo boye. Je me réveille le matin. Na la mouki na tongo. Je devais rentrer à Kinshasa. C'est là dans la Kinshasa. Je voulais acheter des livres. Tu connais son babuku. Je disais à Dieu, Seigneur, j'ai posé une question. Donne-moi une réponse. J'arrive quelque part. Je demande où se trouve la librairie. Et une femme qui vendait m'a dit, c'est là-bas. Mais cet homme va t'accompagner. Quand je me tourne, je vois un homme habillé en blanc, avec le, comme dans mon rêve. Mais je ne m'étais pas rappelé de ça. Il m'a conduit, il m'a laissé. Et il a dit, c'est là-bas. Quand il m'a quitté en une seconde, j'ai dit, c'est ce que j'ai vu la nuit. Quand je me retourne, il a disparu. Tu sais, prendre l'autre avenue, c'était peut-être à plus de 30 mètres. Donc si je me retournais, j'allais le voir. Il a disparu. Les anges existent. Peut-être qu'on a l'église ici. Il y a quelqu'un qui est un ange. Et ça, voilà pourquoi sois gentil. Respecte tout le monde. Parce que tu ne sais pas. Peut-être même que le Seigneur Jésus a porté un corps. Il est sous. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Mais cela est valable aussi. Dans le monde des ténèbres. Toutes les femmes qui sont sur la terre ne sont pas des êtres humains normaux. Oui. Chez les Mongo, j'ai même oublié le nom là. Je l'ai écrit, je pense. Chez les Mongo, c'est raconté. Tu sais, il y a des choses que les pasteurs ne connaissent pas, mais que nos parents, nos ancêtres connaissaient dans les villages. Que des esprits sont sortis des eaux. Un homme, un esprit vient comme un homme. Il connaît une femme et il commence une lignée. Ils ont des enfants, Toi aussi. Tu vas tomber à l'impudicité. Maintenant, on parle de délivrance. La délivrance devient compliquée. Parce que tu as connu sexuellement quelqu'un qui n'est pas un être humain normal. Elima. Oui. Iyo. On les appelle comment? Ok.
Dans la plupart de nos tribus. Même en Afrique, même en Europe. Dans les anciennes histoires, on va vous raconter. Il y a des esprits qui ont porté des corps. Et ça, milimo, balata qui banzo toi. Et qui ont eu des enfants. Peu importe qui banne en abato. Fils, une fois. J'avais une fille que j'ai perdue de vue. Je ne sais plus si elle existe ou pas. On priait avec elle dans la même église. Elle était courte, un peu forte. Un jour, elle m'a parlé de sa vie. Elle, papa, papa, je veux te parler. J'ai dit, parle-moi. Papa, tu sais, ma mère était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. C'était une honte pour elle, on devait la chasser du foyer. Et bizarre, et subitement, elle a décidé d'aller voir une femme qui invoquait des esprits, des eaux. Elle a donné à ma mère quelque chose. Elle a prié pour son ventre. Et directement, ma mère est tombée enceinte. Sans le contact du mari, hein, elle est tombée enceinte. Et c'est en cela que je suis venu. C'est par là que je suis venu. Il dit, j'aime Jésus. Mais... le premier homme à me connaître sexuellement, c'était un pasteur. Parce que quand il me voyait, il ne savait pas me résister. Et deuxièmement, il y avait des pasteurs que j'ai commencé à parler. Je ne sais pas pourquoi. Et quand je suis près d'une piscine, j'entends comme l'eau me parler, l'eau m'appeler. Quand je passe près d'un, comment on appelle, terrassé. Tant on a l'équipe bien à terrassé. Et que l'eau coule. Je sens comme si l'eau m'appelle. Quand je vois la mer. J'ai l'impression que c'est chez moi. Frère, une femme comme ça, tu l'épouses. Moi, c'est à Bobali. Dis à ton voisin, Kebanabi linga linga. Fais attention avec les amours. Les à quoi? Les amourettes. Oui. Et elle allait de relation en relation. À Kenagi Bomoko na Bomoko. À l'église où je priais. On avait notre chef d'intercession. Elle est tous à l'intercession. Ils sont allés en retraite. Frère. Bizarrement, tous les gens de la retraite sont allés acheter du pain. Et le responsable et elle sont restés. Elle était en cinglé et en panne. Et elle avait vraiment le matos. Frère. De Gobal. Le liputa qu'elle a fait tomba. Le responsable de l'intercession vit. Passé simple. Il vit. À Monaki. Et elle était enceinte. Je peux vous dire quelque chose de très secret. Je peux le dire. Il est venu me voir. Il était mon ami, mais aussi comme mon fils. Il m'a dit, prophète, la sœur telle est enceinte. J'ai dit, hé, on va faire comment? Il m'a raconté l'histoire. Il m'a parlé ouvertement. Maintenant, il est en Europe. Je ne vous mens pas. Connaissant la sœur, je vous dis quelque chose qui n'est peut-être pas à dire. On a commencé à prier. Et moi, je priais pour que l'enfant ne soit pas. On a prié et j'ai une vision. J'ai vu une boule de sang, pouf, qui est tombée à terre. À l'instant même, elle était dans la douche. Et elle a saigné. Parce que ce n'était pas une naissance normale. Pour être là qui monte en moko, il y a un enfant ordinaire. Il y a moins à penser à malamouté à mokili. Tout le monde qu'on voit à l'église n'est pas normal. Motoni on se zoome dans l'église. Azal. Je ne te dis pas de devenir parano. N'habite que comme un moteur mécanique. Mais ne sois pas non plus dupe. Kozala zobate. Est-ce que tu sais qu'il y a des esprits qui sortent du fleuve Congo, qui viennent ici, qui vont dans les boîtes, qui vont dans les bars, qui viennent dans les églises? Parce que lisez bien la Bible. Les fils de Dieu ont connu les filles des hommes et ils ont eu une nouvelle espèce. Pourquoi ils ont fait ça? Genèse 3, verset 1.
Genèse 3, verset 16. Dieu a dit à Satan, il dit, la postérité du serpent sera en inimitié avec la postérité de la femme. Hein? La descendance du serpent sera en conflit avec la descendance de l'homme. L'un va le mordre au niveau du talon et l'autre va l'écraser au niveau de la tête. Alors pourquoi Satan a voulu que ces anges-là se corrompent et puissent connaître les filles des hommes? C'était pour créer la postérité du serpent. Pourquoi? Parce que Satan savait que par la femme de l'homme et de la femme, un croisement naturel allait sortir. Excusez-moi. D'une femme naturelle allait sortir celui qu'on allait appeler le Messie. Alors, ces êtres-là ont connu beaucoup de femmes pour empêcher que la postérité de la femme puisse venir. Pourquoi Dieu a agi comme un génocidaire? Le monde entier mourir. Juste Noé et sa famille. Et chaque espèce de chaque animal. Pourquoi? La Bible déclare que Noé était intègre. En hébreu, c'est parfait. Et ça veut dire parfaitement génétiquement créé. Pourquoi Noé était protégé? Parce que Noé était resté de la race pure. On dit, la terre entière était corrompue. Ce n'était pas seulement le péché. C'était aussi biologiquement, génétiquement, il y avait trop de mistures. Alors Dieu a mis à part Noé, a mis à part ses enfants et chaque espèce, et il a tué tout le reste. Quand tu lis dans Josué, pourquoi Dieu ordonne qu'on tue certains villages? Parce qu'il y avait les Raphaïm, il y avait les fils d'Anak, il y avait les géants, il y avait les êtres humains génétiquement modifiés. Dieu dit à Josué, détruit toutes les villes. Il détruit les villes. Il laisse Gaza, Asdod et Gad. Penagad. Dieu dit, il fallait tuer. Mais il laisse ces villes. Et de Gaza, est sorti Delila. Peut-être que Delila était un infilim. Elle était une femme. Alors, moi, dans ses gènes, elle avait quelque chose de spirituel. Comment tu peux dormir? On te coupe les cheveux et tu ne sens rien. Soit tu as sommeil, soit tu as trop bu, soit tu as envoûté. Il a laissé Gat. Dieu dit, il y a des gens là-bas. Parce qu'il n'a pas détruit. Gat. C'est de Gat. Gat. Qu'est sorti Goliath? Ne Goliath se met en Akatikuna. De Gat. Y a Gad. Comment? Et Goliath de Gat. Goliath avec ses frères. Avec n'étaient pas des êtres humains génétiquement corrects. Ils avaient six doigts. Des jambes différentes. Des orteils différents. Une taille différente. On en a beaucoup dans le monde aujourd'hui. Et c'est belé le catch. On en a de la politique, on en a dans beaucoup de domaines. Des êtres humains génétiquement modifiés à cause de la spiritualité de leur naissance. Oh, tu n'as pas dit amen. Et Goliath de Gat, a terrorisé Israël. C'était un Néphilim qui a terrorisé Israël. Et comme cela était au temps de Noé, comme cela se fait aujourd'hui, les hommes ne seront plus normaux. Ils ne seront plus l'image de Dieu. Ils seront modifiés. Le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, dit même qu'il y avait corruption et de la faune et de la flore
et des animaux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui par la science. Parce que Dieu, en voyant la terre, il voit très peu d'hommes qui sont encore son image et sa ressemblance. Alors qu'on terrorisait Israël, il était jeune. Il était de la tribu de Juda. De la tribu de Lyon. Il s'appelait David. Il s'est levé. Il a regardé dans sa culotte. Il a vu qu'il était circoncis. Il dit, toi, incirconcis, qui es-tu pour défier l'armée? Et on dit, le Néphilim le maudissait au nom de ses dieux. Il faisait des incantations. Il faisait des imprécations. Parce que les Néphilim connaissent des choses mystiques. Tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Ce n'était pas la guerre de Goliath, y a Goliath et de David. Ce n'était pas la guerre des Philistins. Y a Philistins, hein? Et des Juifs. C'était la guerre de Dieu. Le Dieu des Juifs et le Dieu des Philistins. Pourquoi quand Saül est mort, Jonathan est mort, David a dit, ne le dites pas. Pourquoi? Que les enfants des Philistins, que les filles des Philistins, que les Néphilim n'apprennent pas que l'onction a quitté les héros. Il a pris sa pierre. Il a commencé à tourner. Regardez. Et pendant que Goliath marchait, David courait. Il a couru. Il a lancé. Il y avait l'onction. Et ce n'est pas quoi? Dans la pierre qu'il lançait, il y aura l'onction dans ce que tu feras. Dans ta foi, il y aura l'onction. Dans tes affaires, il y aura l'onction. On dit amen bien que je t'entende. Amen. Est-ce que je peux chauffer? Dis amen que je t'entende. Amen. Et Goliath part. Goliath part. Goliath tombe. Goliath a quoi? David fait quelque chose. David, David prend l'épée. Il coupe la tête de Goliath. Il prend sa tête. Il l'emmène à Jérusalem. Des siècles plus tard, Matthieu 1, verset 1 dit ceci. Descendance d'Abraham et de David, on donne la lignée pour montrer qu'il est pur. Il a été engendré par tel, engendré tel. Et Marie, Malia, a mis au monde ce qu'on appelle la postérité de la femme. Il a vécu 33 ans. À la 33e année, il était à la croix. Il portait sa croix et il allait vers un lieu qu'on appelait le mont Calvaire. Combo Calvaire. On appelle aussi le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Aïe aïe aïe. Il a amené la croix dans un lieu qu'on appelle le lieu du crâne. Golgotha. Golgotha. Mais quel crâne? Le crâne de qui? C'était à Jérusalem. Le lieu du crâne. C'était le crâne de qui? David emmena le crâne de Goliath à Jérusalem. Est-ce que le prophète peut prêcher? Est-ce que le prophète peut prêcher? On l'a mis sur le bois. Ses pieds étaient au niveau qui donnait la terre. Là, il y avait le crâne de Goliath. On a cloué les pieds de Jésus. Parce que la descendance du serpent allait mordre son talon. Mais lui, il allait l'écraser. Il allait l'écraser au niveau du crâne.
Jésus n'est pas venu que nous sauver du péché. Il est venu nous donner la victoire sur tous les sorciers qui viennent d'un mélange entre l'homme et des anges. Amen. Et parce que Jésus a vaincu, est-ce que quelqu'un est Jésus ici? Amen. Est-ce que quelqu'un de la tribu de Judas ici? Lève-toi, dis yes! Yes! Lève-toi, dis yes! Yes! Son Goliath sera écrasé aujourd'hui. Amen. 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 Dis, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, avance, prophète. Ça, c'est la parole. Ça, c'est le pain chaud. Ça, c'est la parole révélée. Les transhumanistes ne vont pas corrompre toute la terre. Yes. Parce que nous ne sommes pas la création. Yes. Mais nous sommes la nouvelle création. Avance, prophète. À partir d'aujourd'hui, yes. Tu es la tête et non la queue. Amen. Quand Jésus reviendra, tu partiras. Yes. Mais avant que tu partes, tu es plus que vainqueur. Amen. Car la croix du calvaire te donne de marcher sur le crâne yes. de tes ennemis. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Yeah. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Yes! Yesu! Yo kaliloba! O pesa kanguya! O fongola kamayele, pesa kamayele! Ah! Yo kaliloba! Ah! Ah! Jean, Genèse 3, verset 16. Mon canal, c'est accompli dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais elle a vu éternelle. Jean 3, verset 16 a été expliqué dans 2 Timothée. Non, dans 1 Timothée 3, verset 16. Dans Timothée 3, verset 16. Car le mystère de la piété est vrai. Et ça, son nom. Dieu est venu dans la chair. Il a été prêché dans les nations. Nabikolo. Il a été vu des anges. Il a été élevé dans la gloire. Les hommes cherchent la solution. Pour vivre éternellement. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Yes. Les transhumanistes, les grands médecins, les grands scientifiques sont en train d'essayer, mais ils ne pourront pas. Yes. Car la vie éternelle, c'est de te connaître toi, yes. le seul Dieu, Amen. Et Jésus-Christ, yes. que tu as envoyé. Amen. Est-ce que quelqu'un a la vie éternelle ici? Est-ce que quelqu'un a Jésus-Christ ici? Yes. Si tu as Jésus-Christ, dis Jésus. J'ai Jésus. Il faut Jésus. Jésus. Fils de David, quelqu'un peut dire Jésus. Jésus. Descendant de David, quelqu'un peut dire Jésus. Jésus. Membre de la tribu de Judas, quelqu'un peut dire Jésus. Jésus. Parce qu'il vit, je marche la tête haute, yes. la poitrine bombée, yes. le dos redressé. Je marche avec ma junda, yes. parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, yes. et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je dis et rien. Et ça, yes. nous. Et où t'en amboka? Amen. Et rien. Oui. Et où t'en as belle famille? Et rien. Et où t'en as moussala? Et rien. Et où t'en as moï? Et rien. Et où t'en as boutou? Et rien. Et où t'en as namaï? Et rien. Et où t'en as balé? Et rien. Et où t'en as mboka? Et rien. Et où t'en as bakoko? Et rien. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. C'est le cri de joie. Merci Jésus.
Jéhovah est son nom.